Bonsoir. Vous organisez toujours deux grandes journées de recrutement pour préparer les saisons estivales de la SBM, une au sortir de l'été, traditionnellement en octobre, et une demain, donc le 6 mars. Son but est vraiment de peaufiner les équipes avant l'arrivée des beaux jours. Oui, c'est tout à fait ça, effectivement. Donc deux journées, la première en octobre qui est la journée de fin de saison qui nous sert aussi à retenir les saisonniers, et puis celle de demain, du mois de mars, pour finaliser le recrutement. Et entre-temps, on aura eu aussi cette année la journée de recrutement du gouvernement princier qui s'est très bien insérée dans notre calendrier. Donc tous ces éléments sont complémentaires et nous permettent d'arriver à l'ouverture de nos établissements saisonniers à effectif plein. Concernant la journée de demain, comment elle va se dérouler précisément ? Alors traditionnellement, donc, c'est une journée qui permet aux candidats de rencontrer les managers. Donc ils ont d'abord une présentation du groupe faite par l'équipe RH, un entretien avec quelqu'un de mon équipe également, et puis ils sont orientés vers un manager selon leur spécificité, selon leur métier. Vous l'appelez, je crois, la journée des talents. Est-ce que c'est ça Absolument. Le but finalement, trouver de vrais talents pour qu'ils puissent apporter toute leur expertise à la SBM ? C'est ça, c'est trouver nos talents. Et un talent, ce n'est pas forcément le savoir-faire, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Et donc c'est tout l'enjeu de cette journée aussi, c'est de trouver les bonnes personnes pour les mettre au bon endroit chez nous. Alors, d'où viennent la plupart des candidats qui vont se présenter demain et quels sont leurs profils ? Est-ce que voilà, vous avez des profils types dont vous pouvez nous parler ? Alors, on a vraiment des candidats de tout horizon. On a aussi des étudiants, par exemple. Donc, on a à la fois des candidats qui sont formés, expérimentés, qui ont fait des études d'école hôtelière. Mais on a aussi des candidats qui ont appris le métier sur le tas ou encore des candidats qui n'ont pas forcément d'expérience. Mais on s'attache à étudier vraiment toutes les candidatures. Sur certains métiers, on a cette capacité à la SBM de pouvoir former les jeunes notamment qui souhaitent soit profiter de cette expérience saisonnière, soit apprendre véritablement le métier. Donc on est vraiment attaché à regarder les qualités de tous les candidats, que ce soit donc, comme je le disais tout à l'heure, en termes de savoir-faire, mais aussi de savoir-être et de motivation. Environ 300 postes, je crois, sont à pourvoir. Quels sont les secteurs dans lesquels vous recherchez justement du personnel ? Alors, à ce jour, on a quand même un petit peu moins de postes encore à pourvoir, puisqu'on avance bien dans notre recrutement saisonnier. Notre effectif principal se concentre sur l'hôtellerie-restauration, donc c'est dans ces métiers-là que l'on va rechercher encore des candidats, sur tous les postes de l'hébergement ou de la restauration, donc principalement des commis en restauration, commis de cuisine, commis de salle. Et puis cette année, on a des besoins un petit peu plus spécifiques, notamment sur tout ce qui est barman, sommelier, commis sommelier également. Depuis la pandémie de Covid-19, que ce soit à Monaco, en France ou en Italie, trouver du personnel reste toujours difficile, même 4 ans après. Comment vous l'expliquez ? Alors, très sincèrement, pour nous, c'est depuis l'année dernière, on trouve que c'est quand même un petit peu moins difficile et qu'il y a un vrai retour à ces métiers. Alors, bien évidemment, la pandémie nous a obligés à nous remettre en question, nous aussi, en tant que recruteurs et qu'employeurs, à réfléchir différemment, que ce soit sur un recrutement ou sur la gestion de personnel. On doit s'adapter à cette nouvelle génération de personnel qui recherche la qualité de vie aussi, la qualité de vie au travail et la qualité de vie tout court. Donc on a su s'adapter, on essaye de revoir nos modes de management également. Et puis on constate qu'il y a quand même toujours un intérêt pour nos métiers, en tout cas un retour à certains métiers. On est quand même en principauté dans des établissements extraordinaires, avec la possibilité d'inscrire sur son CV une expérience vraiment marquante et valorisante. Donc oui, il y a toujours un petit déficit d'attractivité peut-être sur ces métiers, mais plus tant que ça finalement. D'autant que c'est vrai, la SBM représente, on le sait, le premier employeur de la principauté. On voit son réseau s'agrandir d'année en année. Ça veut dire du personnel en plus à recruter finalement dans les années à venir également. Oui, du personnel en plus à recruter. Donc un vrai challenge pour les ressources humaines. Mais on s'est anticipé et puis on y parvient. Et voilà, comme je le disais, on a revu aussi notre mode de recrutement. Aujourd'hui, on est présent à l'extérieur de la principauté aussi, hein, sur les salons de l'emploi, au sein des écoles hôtelières, un peu partout en France, en Suisse également. Donc à nous maintenant d'aller les chercher. Mais quand on y va, et on les trouve. Et on sait les attirer. Merci beaucoup à vous, Sophie Vincent, d'avoir présenté sur Monaco Info la journée des talents qui Merci se tiendra donc demain en principauté. Merci beaucoup.